C'est la revanche de 1998. Ce Juve Real Madrid en 98, le Real l'avait emporté 1-0. C'est l'affrontement entre deux monuments du football. Le Real Madrid, 11 fois champion d'Europe. La Juve, magnifique perdant, mais deux fois champion d'Europe. Deux fois champion d'Europe en 8 finales, donc 6 fois perdant. Et qui aimerait bien mettre un terme à cette malédiction. Casemiro qui est resté à terre. Et les Bianconeri qui peuvent développer cette offensive avec le centre de Mandzukic. Le premier coup de tête d'Higuain cadré, mais stoppé par Keylor Navas. C'est grosse épreuve de force en ce début de match. Et pour l'instant, c'est remporté par les Turinois avec Higuain. Higuain qui penche avec la frappe, cadré encore. Et Navas en deux voies pour stopper cette tentative cadrée de Gonzalo Higuain. Le centre de Dani Alves, c'est à destination de Khedira, c'est pas terminé, c'est repris par Mandzukic. Nouveau centre, Pjanic qui va pouvoir frapper. Oh, quel arrêt, Keylor Navas. Mandzukic pour le centre, et il y a eu un coup de sifflet de Félix Brich. Hors-jeu. Il y avait certainement un hors-jeu sur la frappe de Pjanic, mais quel arrêt quand même de Navas. Ah oui, quel demi-volée, très bon équilibre, et Navas, non, il est en grande forme. Ouais, Kroos. Quel effort de Kroos qui a gagné 50 mètres ballon au pied. Ça permet à Ronaldo d'écarter sur Carvajal. Ronaldo, le but, l'ouverture du score madrilène. C'est leur première occasion, leur première offensive d'envergure. Et c'est Cristiano Ronaldo qui ouvre le score dans cette 62e finale de Ligue des Champions. 20 minutes de jeu. Et l'incontournable Maison Blanche, le Real Madrid, qui mène face à la Juve et qui avait réussi un début de match tonitruant. La première occasion, Daniel, et c'est la bonne. Bonucci qui allonge vers Alexandro, peut-être pouvoir centrer tout de suite. C'est pour Higuain. Mandzukic. Oh, l'égalisation, Mario Mandzukic. Évidemment qu'on n'était pas à bout de nos émotions. L'égalisation, elle est somptueuse, elle est sublime. C'est signé Mario Mandzukic. Quelle finale, quel match, quel duel, quel but, quel buteur. Premier corner en faveur du Real Madrid dans ce match. Oh, quelle occasion. C'est Bonucci, le premier sur le ballon, qui fait le bon geste, pied gauche, pour sortir ce ballon. Carvajal, de l'autre côté, il y a Marcelo, il l'a vu. Marcelo qui va pouvoir exploiter ce ballon. En soutien, il y a Benzema. Le voilà servi, le français Karim Benzema. Pour Carvajal, Modric. Ouais. Peut enchaîner avec la frappe. Ouais, et c'est stoppé par Gigi Buffon. Ah, très bonne action placée là du Real. Kroos. Avec Karim Benzema. Camille en retrait pour Toni Kroos. La frappe a été renvoyée. Casemiro. Oh, but. La frappe de Casemiro lointaine qui a peut-être été touchée, en tout cas c'est dans le cadre. Et ça trompe Gianluigi Buffon. Madrid est récompensé de ses efforts dans le premier quart d'heure de cette deuxième période. Madrid plus fort sur cette entame de deuxième période. Et Madrid qui reprend l'avantage. Max Allegri est retourné longuement sur son banc, communiqué avec ses adjoints pour chercher une solution. Carvajal. Encore l'intervention de Modric. L'interception. Oh, oui, Modric. Oh là là. Pour Cristiano Ronaldo qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Le doublé de Cristiano Ronaldo. Et le Real Madrid qui vient de prendre une sérieuse option pour son 12e succès en Ligue des Champions. Le doublé de Cristiano Ronaldo qui devient, après 64 minutes de jeu ici à Cardiff, le meilleur buteur de cette édition 2016-2017. De la Ligue des Champions. Dani Alves pour le centre, le coup de tête au premier poteau, ça passe juste à côté. Allez. Avec Lemina. Cuadrado stoppé par Sergio Ramos. Si Cuadrado a effectivement marché sur le pied ou frictionné, oui, il va se faire exclure. Voilà, c'est le deuxième et c'est rouge. Ouais, c'est complètement idiot. A été contré par le mur. Marcelo qui parvient à contourner Lemina, le déborder, mettre en retrait, but. Le but, Asensio,
qui est entré il y a quelques minutes, qui doit toucher son premier ballon du match et qui donne un peu plus d'ampleur encore au succès du Real Madrid. Ça fait 4 buts à 1 désormais. Le Real Madrid est champion d'Europe pour la 12e fois de son histoire. Allez, c'est officiel, c'est la 12e.